savoir si notre ami le Barracuda aime les plures d'avocat. Waouh. Non, je crois que ça lui plaît pas. Il me regarde, il est pas content. Le noyau d'avocat. Noyau d'avocat. Oh putain, il joue avec. Et en fait, je crois qu'il tape devant pour savoir. Il joue avec le noyau d'avocat. Putain. Il y retourne. J'ai enfilé ma belle GoPro pour aller pêcher la langoustino. Bon, on va tenter de l'autre côté du récif, on va partir en kayak, il y aura quand même 2000 à faire. C'est pas de la cliquette, de la bistouquette. Hier j'ai vu des calamars, quitte à pédaler, autant pédaler, utiliser cette énergie pour pêcher. Donc nous allons pêcher à la traîne le calamar. Nous allons chercher le calamar pêche qui était dans la pointe à l'avant de Black Lion, bâbord. Je regarde, il y a trois gros boulons de 24 qui retiennent la poutre entre les deux étraves, où est retenu l'été. Et du coup, je regarde, il y en a un, il est complètement dévissé. Il faut absolument que je le resserre. D'ailleurs, je le ferme maintenant parce que j'aille vérifier l'autre côté également. C'est au bout là-bas, c'est du combien? Du 30? Je disais du 24. Mais... c'est plus que du 24. Ah non, c'est même pas du 30. C'est... ah là, c'est du 32. Ah, je vérifie les autres. Ah, mais oui, quand même. Donc ça. C'est ce qui retient la nuit. Retient la nuit. C'est ce qui retient la poutre juste devant. Voici une turlute, un leurre qui sert à pêcher le calamar. Alors, oui, mais est-ce que tu es sûr qu'il y a des calamars? Ben oui, j'en suis sûr et certain parce qu'hier, je les ai vus. Les kayaks sont prêts. Matos de plongée, canne à pêche avec turlute, pique-nique, eau de rinçage, GoPro, choupi et jacouille. J'ai oublié de donner les petites boules bleues à mon Kevin. Et ce soir, vous faites penser les bananes. Petite boule bleue à Kevin. Hein. Je vais me mettre à l'eau ici. La jacouille va rester sur le kayak, pas trop chaude. Et on va aller se mettre au fond là-bas. Il y a un peu de houle. Donc là, ça défait à la droite. On va se mettre plus par là, bébé, pour passer là. On mange dans l'annexe tranquillement sur la plage, seul aux Bahamas. Ici, je vous montre tout à l'heure, c'est la pêche d'aujourd'hui autorisée jusqu'au 31 mars. Aïe! Yeah. Ça fait un mal de chien. Regardez comme elle est belle. Aïe, mais... ah ouais, ça fait super mal. Ah, sans partir. Voici de bonne guerre. Elle est grosse, hein? La fripouille, on ne mange pas que des nouilles. On va cuisiner de la langouste ce soir, les bananes. Mais sauf que c'est une nouveauté, c'est pas ouais. Que cuisiner de la langouste. Ouais. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va les faire en tourne d'eau. Regardez, je coupe en tourne d'eau, comme elle est très grosse. D'ailleurs, tu vas m'aider. Allez. Attends, regarde, mets les deux comme ça, on dirait un papillon. On a fait 5000 aller-retour. Tu vois, c'est pas énorme non plus. Hein. Petit hein jus de mangue passion. Des fruits congelés, là, c'est trop bon. Puis c'est vrai, du coup, il n'y a pas besoin de glaçons. Là, vous faites des smoothies. Je vous dis que ça, les bananes. Quelle vie, les bananes. On va faire une petite soupe avec. On va le mettre là pour que ça refroidisse. Avec jacouille, la fripouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. On va se régaler. Ah, la langouste, en veux-tu? En voilà, tu vas en bouffer. Là. Ça faisait des années que je voulais couper la langouste. Ouais, mais je pense qu'il en faut une grosse. Mais c'est vrai. Il faut des grosses, voilà. Donc là, on va faire des petits. Tourne d'eau, on a appelé ça. Tourne d'eau. Comment tu l'appelles ça, sinon? Petit médaillon de langouste. Des médaillons de langouste. Oh, c'est mignon. Non, mais avant de le faire cuire, je vais faire revenir des oignons. T'as pas fait chauffer l'huile? Oui, mais là, ça chauffe, regarde. Et tu fais et puis on va mettre oignon, tomate, ail. Je vais mettre un petit peu de tandoori, du sel, du poivre. J'ai envie de mettre une petite lichette de rhum. Go, c'est parti. Ah, c'était pas si chaud. Tu m'as dit go, vas-y.
Je suis perdue les bananes, je suis perdue. Bah oui, j'ai l'impression que c'est moi qui fais recette de la zacouille. Mais oui, non, mais là. Parce que tu me perturbes dans mes recettes. Tu me poses pas de questions, une fois de plus. tu me poses une question, mais je rêve. On va mettre un petit peu de sel. On retourne la dame de la lentille. Mais elle écrase avec la cuillère en bois les trucs comme ça dedans. T'as pas besoin. Mais c'est qu'elle continue. Et tu fais comme ça, mais pourquoi t'es tapis dedans? Mais j'appuie pas dedans. Mais là, c'est pas. J'appuie pas, tu vois bien. Je rajoute de l'ail. C'est un peu de tandoori aussi. Comment ça s'appelle? Mince, la recette. Et Lucie, il s'est rien passé. Non, mais je suis perturbée là, parce que je voulais commencer à 5h ma recette. Est-ce que vous voulez que la jacouille prenne la caméra toute seule et qu'elle se filme faire les recettes de la jacouille? Les bananes, vous voyez, c'est mieux quand on est tous les deux. Ouais. Ah, je m'éclate. Ouh, j'adore ça. Oui, c'est super. Arrête, choupi. Et là, on va mettre les langoustes dedans. Nos médaillons à l'intérieur, de la sauce. Et là, il faut les fermer pour faire cuire. Je crois que je vais étouffer, moi, de toute façon. Je vais étouffer tout simplement. On va faire plus court dans la phrase. À étouffer. Se planter, moi, le bâton, là. Et moi, je mettrais bien un peu de rhum dedans. Ne regardez pas ma cachette secrète, les bananes. C'est un truc pour pas éclabousser, c'est pas un couvercle. Eh ben, je vais t'étouffer, moi. Non, mais attends. Les bananes, si vous n'avez pas dit le choupi, c'est qu'il s'est coincé le douille. Je marche comme si j'avais parlé dans le huc. Enfin, ainsi, de bord, de mettre du distance. Ça me paraît pas mal, un antidouleur. Ah, il me faudrait un antidouleur. Avec quoi? Alors, j'ai soit anti-inflammatoire ou contracture musculaire sévère. C'est quoi que t'as? Je pense que je suis contracté sévèrement. C'est une contracture, non? Je me suis coincé le cou. Nous étions ici et nous voulons aller à Oxtie Reef. C'est écrit en anglais, mais je crois comprendre que c'est un des meilleurs sites de plongée des Bahamas. Sauf que à partir de demain soir, il va y avoir du vent. Et quand je dis du vent, là ici, Oxtie Reef. Le récif est l'un des seuls vrais atolls de l'Atlantique ou des Caraïbes. Nous avons décidé de rester un petit peu à ce mouillage-là, encore 3 jours, car ça va beaucoup souffler. Quand je dis beaucoup souffler, ils annoncent jusqu'à 30-35 nœuds de vent. On voulait aller sur un atoll, on n'ira que mardi, et ça se lève d'ici ce soir. Et ce matin, on se dépêche d'aller plonger une dernière fois sur le reef là-bas pour récupérer quelques petites bêtes à grandes antennes. Histoire après, l'accomplissement d'un rêve de jeune parisien. Voilà ce qu'on a pêché ce matin, plus une troisième qu'on a donnée à nos amis. Elles sont vivantes et bien vivantes. On va les mettre dans l'eau comme ceci, et comme ça, on a un vivier sous le bateau. Regardez les bananes. La jacouille vient de pêcher. Oh, et là, il est trop content, Choupi. Ouais. Il a un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Ce matin, on se dit bon, on va aller chercher à manger et tout. Donc, écoutons que notre courage, armé de notre petit hameçon, Nous armons de notre fidèle estrier, l'annexe au dinghy, qui est ici, petit blacky. On part sur le reef, qui est à 4-5 milles là-bas, j'ai choisi sur la carte, et je me dis, on va aller plonger là. Je vais dans l'eau, puis je me dis, j'aimerais bien vous faire 2-3 langoustes, ça serait vachement bien, et tout, j'espère qu'il y en a. Et heureusement, il avait les yeux de Jaco qui étaient là. C'est bon, ça, tu te vanteras après, d'accord? Pour l'instant, c'est moi qui me vante, ok?
et je m'accroche ma ceinture. J'étais dans l'annexe. Elle était dans l'annexe. Et quand même, je me dis à chaque fois, vous savez, par rapport à toujours à cette histoire d'attaque de requin qu'on a vécu en Australie, ben, j'y pense toujours. Je sais que dans le coin, il y a quand même du requin tigre, il y a du marteau, ouais. Il y a du citron, il y a du bulldog. Ben, j'y pense quand même, quoi, à chaque fois que je vais dans l'eau, même si j'ai dépassé ma peur. Et je mets dans l'eau, et d'un seul coup, je vois un truc énorme. Et quand je dis énorme, pour l'instant, je vous raconte l'histoire, je n'ai pas encore regardé la vidéo. En un instant seconde, je dis, ah putain, ça y est, je suis mort. Je suis persuadé que c'est un requin tigre. Un dauphin qui arrive et qui se tourne comme ça, comme Flipper, qui me regarde et tout. Et là, je prends ma GoPro et tellement que je tremble, j'arrive pas à allumer la GoPro. Uh-huh. Donc, je sais même pas si le film était réussi. Je mets juste derrière ce dialogue-là. Entre temps, j'aurais regardé, savoir, j'espère que c'est réussi. On dit, ah putain. Et puis, et en fait, j'ai fait une erreur monumentale, chose que je ne fais jamais. J'ai rêvé de ça toute ma vie. J'ai déjà été dans l'eau avec de loin, avec les dauphins, tout ça. Mais là, c'est lui, c'est la première fois qu'un dauphin il était tout seul. En plus, c'est un tur-surf. On les appelle les ambassadeurs quand ils sont tout seuls. Et c'est la première fois qu'un dauphin vient me voir comme ça dans l'eau. Et mon erreur, c'est que j'ai appelé la jacouille. J'ai fait « Y'a un dauphin !» J'aurais dû être égoïste sur ce moment-là parce que je pense que j'aurais pu rester un petit moment avec lui, c'était très furtif. C'était très intéressant. Bon, maintenant, vente toi. Oui, et moi, j'ai trouvé les langoustes. Et c'est vrai que la jacouille, elle a l'œil. L'œil du tigre. Non, l'œil de la langouste. L'œil de l'écureuil. Et là, je vais retourner dans l'eau. Du coup, on va garder dans un vivier nos langoustes fraîches. Pour les avoir avec, pour demain. Et pour les avoir pour demain. Et je vais voir dans l'eau si ça va bien se comporter. Et regardez le nœud de la jacouille. Là, il ne va pas partir. Quoi? Quoi? Elle me dit, m'appelle pas, je vais aux toilettes. Mais il y a des langoustes dans l'eau là. Ah oui, mais ça va pas aller dessus, ce milieu. Ah bah ça rendra un petit coup parfumé. Ouais. Une journée après, une journée et demie après, bah super. T'en on s'est pris... automédicalisé. Ouais. Bah ça, il faut faire attention quand même. Hein. Bah il faut faire très attention, mais on apprend avec le temps quoi. La dernière fois que tu as été chez le médecin, c'est parce que tu avais des problèmes. Oui, assez sévères. T'es pas obligé de le dire. Bah tout le monde est au courant. Ils savent. T'as le cul le plus populaire de la chaîne YouTube. Je me retrouve au niveau du dessal. Il y a une fuite. Une fuite qui est au niveau du manomètre. Ce qui m'inquiète un peu, j'ai l'impression qu'il y a une fissure sur ce grand bloc là. Ah mais ça pisse bien même. Oh là là, mais c'est fissuré là. Oh là 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 là. Arrête tout. Non, non, là on est dans la merde, je te le dis. Ok, vas-y. Oh putain. Stop, stop. J'ai plus qu'à tout démonter là. Putain, je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Allez. Bordel de bordel. Bon, j'ai retiré l'autre, il veut pas. Comment ça a pu casser ça? Donc ça c'est l'arrivée. D'eau de mer. Ça rentre dans la membrane à cet endroit là. Et putain, ils vont tous me faire chier comme ça là. Il veut pas sortir. Ah. Bon, je vais le couper. Voilà, quand ça vous emmerde, au bout de ces 3 heures. Voilà. Acrobatie. Ça pèse au moins 50 kilos ce truc. Tu vas te bloquer. Oh, c'est super lourd. Oh. Hein? Ah, c'est quoi ce truc? Attention à toi. Purée de bordel de cacahuète. Aïe, je marche sur les trucs. Oh, ouais. Oh le bordel. Et c'est super lourd. Ça s'en va avec une charnière. Donc je pense que je peux le faire pivoter comme ça. Je vais déjà démonter ça en premier. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été vissé de travers. Donc je vais essayer de dévisser ceux-là, ces quatre-là. Ouais, c'est ça. Ah oui, lui il est retenu là. Et là aussi, avec une clé Allen, il va pivoter. Alors j'ai ouvert la purge juste avant là. Pour toute maintenance, il y a une pression dedans. Si vous ne dégagez pas la pression, ça vous pète à la gueule. Hein.
déjà dit. Ici, ça a pété, putain. Ah, il y a des joints ici. Au niveau du manomètre, ça a pété. Alors ça, je vais peut-être le faire tremper dans l'eau. Je ne voulais pas que ça sèche. Ça traverse là et là, donc il n'y a que Ossica qui va pouvoir m'aider. Ok, pour mieux, je vais remettre le manomètre avec du téflon tout au plus. Donc je suis pas plombier, mais je sais que le téflon, il faut le mettre en sens inverse du vissage. Du téflon, on le tue, on voilà. Donc ça se visse à la main. J'ai l'impression que c'est vissé de travers. Ben, c'était de travers, justement, c'est ce qui m'inquiète un peu aussi. Ben, il est carrément de travers. Mais je crois qu'ils l'ont vissé de travers, ce truc-là. Mais tu peux pas le remettre droit? Ben non, j'ai... Attends. Bon. J'ai un coup, il est en train de se nettoyer. De toute façon, ça tombe pas dedans, par contre. Alors, les bananes, on vient de s'apercevoir que la dernière fois que je l'ai donné, eh ben, il avait sûrement cassé parce qu'il y a une espèce de colle dans le manomètre. Ben ouais, carrément. Et c'est pour ça qu'il était vissé de travers. Ouais, il y a une colle à l'intérieur, on dirait. Je n'invente rien, les bananes. Hein. Donc moi, du coup, je fais exactement la même chose avec ma coille Gorilla, celle qui a réparé l'hydrogénérateur. Ouais. On croise les doigts hein, que ça fonctionne. Je vais peut-être même en mettre là, un petit peu. Et ici, je mettrai peut-être un petit filet de Sika avant de remettre les autres trucs. Je crois en toi, mon Allez, salaud. T'es le plus fort du monde et de l'univers. C'est pour ça que lui, allez, faut pas qu'il se mette droit. Ouais, faut pas qu'il se mette de travers. Et à droit là. Ouais. Serre pas trop fort peut-être. Attends, je vais mettre la colle qui reste là autour. Du coup, je suis pas sûr que ce soit droit. C'est dans 5 minutes, ça va sécher. Et là, il y a une espèce de joint ici, okay, et un autre là, là. Et un joint torique, là, c'est un joint plat. Donc, je peux pas mettre trop de Sika. Faut vraiment que je mette un petit film là pour que ça puisse écraser. Je vais pas serrer à fond. Je vais juste serrer comme ça. Et j'espère que je vais pas faire une connerie. Je vais mettre du joint silicone. Je crois qu'il y avait un peu de joint silicone. Je suis pas très sûr. J'espère que ça va pas niquer la membrane, ça. Autour de ces joints là pour que ça puisse écraser. J'espère que c'est pas de la glycérine qu'il y a. Vraiment très fin, de toute façon, pour faut que ça s'écrase. Oh merde. Oh bah là, t'as fait un gros pain. Attends. Non, c'est bon, ça va écraser là, l'autre truc. Et je serre, sans serrer trop non plus. Alors, boulon. Ok. Dynamométrique, moi j'ai une clé manométrique. Je vais remettre comme du Sika autour là-bas, de toute façon, hein, j'ai pas le choix. Je vais étaler. C'est The Finger, réparation d'urgence en moins d'une heure avec mon assistante Jacouille. C'est moi. Si ça marche pas, on n'a plus de dessale. Arrête, j'aime pas quand t'es négatif. Bah, si ça marche pas, on n'a plus de dessale. Allez, ne lâche surtout pas ma Jacouille. Hein. Parce que je prends une pointe 60 kg sur le pied. Attends. Pose-le. Attention, ton dos. Allez, poussez. Respirez. Poussez. Poussez! Oh, il est là, il est beau! Oh putain! Moi je mets la rondelle, toi tu pousses la vis. Quelle chaleur torride là-dedans! Écoute, on vient d'avoir un enfant. C'est pas beau ça. Je sors de là, il fait trop chaud. Mais voilà les bananes, on se donne rendez-vous demain. Qu'est-ce qui se passe là? On a la pluie les bananes. Eh ben c'est tant mieux, faut qu'on remplisse à fond le bateau parce que si le dessal ne marche plus, il ben, faut faire comme dans l'ancien temps. L'ancien temps de pirate.com et il va falloir qu'on vive sur notre réserve d'eau. Alors on va aller voir la réserve. Elle en est. On est où là pour que ça remplisse? Là on est à la moitié, côté tribord. Et à la moitié côté bâbord. On va allumer le dessal. Je vais vous filmer ça en direct, savoir si ça fuit ou pas, si la réparation qu'on a fait hier, s'il y a eu 24 heures de séchage, que ça va tenir. Ok, vas-y. Oh merde, ça coule. Ah, on dirait que ça coule moins. Ça, c'est l'eau douce. J'ai donné un coup comme ça sur le manomètre et ça s'est arrêté de fuir. Voilà les bananes, c'était mal barré et ça vient de se résoudre en un quart de tour de manomètre.
léger. Allez, je vais faire marcher une heure et on va voir. Ça s'est mis à fuir tout doucement, goutte à goutte, et quand j'éteins la caméra, ça avait... j'ai pris le manomètre, j'ai fait un quart de tour et ça s'est arrêté net. J'espère que la fissure est colmatée et on surveille ça de très près. Là, ça coule. On va vérifier toutes les 5 minutes. Pas de fuite ? Toujours pas. Nous sommes toujours aux Bahamas. Despacito, qui c'est qui a mangé tous mes pépitos ? Qui c'est qui a ramassé tous les bulots ? On est en forme ce matin. Alors, une noix de coco, comment ça se présente? Vous croyez que ça pousse comme ça sur les arbres? Non. La noix de coco est comme ceci. Les bananes. Choupi, il ouvre une noix de coco. On va essayer de faire un piège à crevettes. On a trouvé une crevette sur la jupe. C'est la bonne chair. Hein. Alors ça, c'est une technique que j'avais vue dans un pays. On va faire un entonnoir. Et on va mettre comme ceci. Ah oui? Alors, tu mets des morceaux de coco dedans, elle t'accroche avec un serre-câble. Je suis pas sûr que ça marche, hein. C'est un essai qu'on fait, alors ça sera la surprise demain. C'est voilà. Un prototype, les bananes. La crevette rentre par là, mange la coco. Et comme elle est couillonne, elle ressort pas. Et on mange la crevette. On va essayer toute la nuit, on verra demain si on a au moins une petite crevette. 15 jours aujourd'hui que nous avons acheté les fruits et légumes. Petit pois au bout de 15 jours à bord de Black Tiger. Je n'ai pas jeté... rien. Il nous reste des tomates, des carottes. Alors, vous rappelez, on les avait achetées vertes. Je les ai mis au frigo dès qu'elles ont commencé à mûrir. Là, on a des tomates. Et la salade, il m'en reste encore au bout de 15 jours. Avocat, banane. Il m'en reste un et j'en ai mis... à quoi vous ressemblez, les bananes pourrites. Des avocats que j'avais mis au congélateur. J'ai toutes mes mangues et mes fruits de la passion. Mes avocats qui sont congelés. Des pancakes à la banane que j'ai fait pour tout à l'heure. Oui, ben ça, c'est, on s'en fiche. Ok, là, il me reste des oignons, l'ail. Ça commence à germer, mais ça tient. Donc, je ne suis pas obligée de les faire de suite. Ouais, des pommes. Les giromans, j'attends ça le tient max plusieurs mois. Parce que ça tient super bien. Les œufs, tu les retournes tout le temps? Alors, les œufs, on va les retourner encore aujourd'hui. Vous avez vu ma technique? J'ai mis du scotch pour pouvoir retourner tout d'un coup. Toi, tu n'es pas dans l'économie du scotch. Citron, c'est tout ce qui reste? Alors, citron, c'est ce qui reste. Bah, c'est quand même pas mal, mais on en a congelé aussi. Mes patates, c'est pareil, j'attends le max. Les patates, ça se conserve. Ma patate, elle se conserve bien, hein, ma petite patate. Regardez les choux, ça bouge pas. Quoi. Mon rhum, il est où? Ah, là. Il est là-bas. Non, oui, mais celui-là, on le touche pas. Non. Maintenant, on va remplir. Clément. Bien, mon ami, mon copain. Non. Si vous voyez les yeux pétillants de Choupi. Laissez le plaisir des parfums originels offrir le paradis à votre corps. Moi, je vous le dis, les bananes, on s'emmerde pas. Hein. Directement, tout frais du jardin. Vivier est vide, il va falloir que j'aille retourner en chercher. Hein. Enfin, à 32 nœuds. Sur Black Lion. Le siège qui est tombé là-bas. Ça souffle les bananes. C'était annoncé, ça souffle. Putain, on est bien protégé ici, hein. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Un peu moins de 6 heures à Ruitinagua. Nous partons sur un atoll. Pas sur un atoll. Sur un atoll. Un atoll, on ne le connaît pas. Du vin nœud d'annoncer au bon plein travers. Un petit souci, une pauvre petite patate. Hein? Quoi? Non, c'est pas toi. Une pauvre petite patate s'est enroulée autour de la chaîne. Ou plutôt l'inverse. Une pauvre petite patate. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, je te dirai que ça sera toi, tu vois. J'ai plongé sous le bateau l'autre jour et malheureusement, la chaîne a fait un beau tour autour d'une patate, mais un beau tour bien serré. Donc je pense qu'on va galérer à se détacher de la patate et ça m'attriste un petit peu parce que je pense qu'on l'abîme un tout petit peu avec la chaîne. Là, il y a la patate et la chaîne est partie comme ça.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer avec Blackie. Je vais dire ma jacouille, je vais dire ma patate. Vas-y, remonte. Et ouais. Une fois qu'on aura passé la patate qui est là, on sera ici. Mais moi, je vais essayer de tourner autour pour revenir comme ça. Et oh, où est votre patate? Là, je suis en train d'avancer. Hein. Stop. Je vais faire demi-tour. Elle est où là? Faut que je tourne comme ça autour. Laisse-moi un peu de mou. Faut que je passe sur la gauche, ma puce de la patate. Hein. Laisse du mou. Ok, allez sur ma droite là. J'avance un tout petit peu. Laisse du mou. Laisse du mou, bébé. Elle est où la patate? Je savais qu'on en chierait comme ça. On a réussi. On va monter la GV, je m'éloigne un petit peu. Nous sommes partis, direction Auxerre. Non, ce n'est pas Jacou qui m'a mis un coup de couteau. Non, c'est pas moi. Je me suis frotté sur les palmes. Le pied, ça a ragué et ça s'est creusé. Alors, on vous en avait parlé déjà une fois. Ça, c'est la crème à avoir absolument à boire. C'est de la fusidine. Enfin, on l'a acheté en Thaïlande, alors c'est un Thaïlandais. Ah, c'est celle de Thaïlande, ça? Ouais. Date de péremption, s'il vous plaît. Je vais pas regarder. Ah, octobre 2021. Périmé, on dirait. Bon, on va dire que ça marche encore un peu, quoi. Oh. Non, mais tu te focalises sur les dates, faut que t'arrêtes avec ça. Tu focalises pas du tout sur les dates, ça l'a remarqué. La date de naissance, je me focalise pas dessus, j'ai pas périmé. Une crème antibiotique, il faut faire attention dans le sud des tropiques parce que ça creuse. Dès que ça creuse, c'est pas bon du tout. Et puis, comme on est dans un milieu humide et que je vais dans l'eau, et, ouais. Et ben, c'est pas du kiki bistouki, hein. Ça creuse. À Jacouille et Barbabouille, ben, ça a commencé à être habitué. Il y avait à deux doigts de dégueuler. Non. Tu veux pas dégueuler d'abord? Non. On est sur une mer un peu dégueulasse. Boule de travers. Pas de vent. C'est mon plaisir. C'est ma récompense. La vague était tellement violente que ça a fait tomber l'hydrogénérateur dans l'eau. J'étais obligé d'aller le remettre. Voilà, je me suis attaché, ne hein, vous inquiétez pas, mais du coup on n'a pas filmé, je me suis vite attaché. Auxerre Reef, voilà ce que ça donne. C'est un atoll, les opticiens, et nous on va aller se mettre derrière le banc de sable. Ça risque d'être un peu rouleur, mais le jeu en vaut la chandelle. Il y a 14 mètres de fond et on voit le fond. C'est beau, hein, c'est magnifique. Alors que ça bouge un peu, mais c'est pas grave. Bon, c'est sûr que le mouillage va pas être très confortable, mais c'est quoi? Une nuit dans notre vie. On est tout seul là au Bahamas sur un banc de sable. On va descendre ensemble les bananes. Miam miam. C'est les bananes. On se demande ce que fait ce corps mort ici. Ah, c'est bizarre, c'est le deuxième oiseau mort que l'on trouve. Oh là, mais c'est inquiétant. Il y en a plein, là-bas. Mais là, regarde. Oh là, mais qu'est-ce que c'est? Tous les oiseaux sont morts. Alors ça, ça c'est inquiétant. Imaginez-vous tout seul sur un atoll. Vous pouvez croire comme d'habitude qu'on est en navigation, mais non, il y a 2 mètres d'eau sous Black Lion. Et c'est un moment unique que nous vivons sur notre bon petit bateau maison.
notre petit Blackie. Le seul repère que nous ayons, ce sont les étoiles. Le récif est devant. J'entendais ma voix. Aucune lumière à l'horizon, hormis la lune croissante. Voilà où nous sommes. Et l'épave est ici. Nous sommes seuls au monde. On a mangé des pâtes. Non, chinoises, avec des légumes. Ils s'en foutent. Ah, on n'assiste pas. Non, je crois pas. Si, si. Est-ce qu'on vous demande ce que vous mangez? Non. Bon. Alors, on s'est un peu secoué, on se fait on se fait brasser. Non, brasser légèrement. On se fait caïner. On se fait bercer. Bonjour les bananes. Bonjour. Bah, ça a bougé un peu cette nuit. Bon, on vous l'avait dit hier. Un peu beaucoup quand même. On vous l'avait dit hier. Arrêtez-vous flindre. Oh. C'était mon plaisir, c'était ma récompense de venir sur cet atoll. Je vais quand même aller plonger une petite heure près de l'épave là-bas. Tout est relatif, hein. Parce que je connais Mochuki, il voulait absolument venir ici. Donc il me fait, ouais, ça a bougé un petit peu. On aurait trouvé un mouillage comme ça, où il n'aurait pas voulu venir. Il m'aurait fait comme ça, c'est quoi ce mouillage de merde? On aurait dû partir cette nuit. Oh, la mauvaise foi. Je vais quand même voir comment, à quoi ressemblent les fonds marins. Et je vais quand même vous montrer, ben, voilà. C'est pas toujours que vous venez à Oxty Reef, aux Bahamas. D'ailleurs, on est tout seul. Tout seul et avec la petite bananerie. Et voilà, je me prenais une petite banane sur l'épaule. Manger la banane, parler le bout. Ah là, la fille, elle a bien compris que c'était le plaisir du capitaine. Hein, c'est mon plaisir. Non, c'est ma récompense. Non, mais les bananes, il est. Hein. Non, mais le gars, il a la mauvaise foi du gars. Ah oh, non, elle est bien là, ça bouge pas trop. Hein. Eh bien, on va aller voir derrière toi, il n'est pas, mais on va aller voir et puis on va essayer de voir. C'est un plaisir. Hein. Mais non, ça bouge pas, je suis raconte. Il est content le Tchoupi. Qu'est-ce qu'on dit à sa jacouille? Je te remercie ma jacouille. Oxty Reef, c'est fait. On se casse. Mouillage très agréable. Moi je pense qu'il y a quand même eu une catastrophe écologique avec ce bateau. Ça doit dater de pas mal d'années, il faut que je vérifie. Et vous savez, j'ai pris en photo hier sur l'îlot. Il y avait des coquillages et des coraux tout agglomérés là. Ben moi je pense que c'est le pétrole qui a coulé et qui a aggloméré tout ça. Et ça date de plusieurs années. Du coup, grande scientifique. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de poissons, des Picasso. Et quand je suis revenu à l'annexe, un petit requin récif qui est venu me voir gentiment. Récif, tu m'as dit un gris. Un requin gris de récif, le requin gris c'est souvent de récif je pense. Ah. C'était très intéressant. Vous voyez le trait jaune là, c'est la trace de Black Lion quand on est rentré avec la bonne lumière. On a encore la bonne lumière, je reprends exactement la même trace, je me calque dessus. Et pour l'instant je suis qu'avec la GV, avec de riz. Et je mettrai sur mon autre géniteur, on va être 3 quarts arrière pour partir à cette fois, comment ça s'appelle, Aklin. On nous a fait remarquer Aklin. Vous retirez le B, vous retirez le O de Black Lion, et ben ça fait Aklin. C'était très intéressant. Il est très important d'avoir des verres polarisants quand vous naviguez dans ces eaux comme ça translucides. Ça vous permet de bien voir. Nous allons empanner. Alors, je borde la GV pour éviter un empannage violent. Et là, je prends le 20 degrés. Et si tu peux filmer la grand voile, s'il te plaît, qui va passer de l'autre côté. Merci. En douceur. Les trois quarts arrière, on va mettre l'autre Genec. Ça va bombarder, les amis. Allez, c'est parfait. On regardera les vidéos. C'est mon plaisir, c'est ma récompense. Inutile de vous dire que la navigation n'est plus comme celle de l'arc entier. C'était pas terrible. Hier, ça allait, c'était les pareils, sauf que c'était du prix. Bah oui, c'était pas terrible. Ça commence à m'énerver la jacouille. Eh oh, ça va, hein? Non, ça va pas. Et l'amour aussi. On a mangé aujourd'hui le dernier morceau de salade. Aurais-tu pu garder de la salade un peu plus longtemps? Oui, on aurait acheté des... Bah t'as fini de faire ce bordel? Attends.
laisse-moi finir de manger. Alors, voilà. On aurait acheté des laitues iceberg, là, celle-là. Regardez quoi? Oh, je pense que j'aurais pu faire encore une semaine de plus. On avait de la baby lettuce. Ah, de la baby lettuce. Ouais, ça, ça a bien tenu. Après, j'avais les deux avec les racines là. Elles ont bien tenu aussi. Celle-là, celle qu'il fallait faire les premières. Les premières. Et puis après les autres. Et puis l'iceberg, on aurait pu garder une semaine de plus. Voilà. Et dans la conservation, ma jacouille, dis-nous tout. Dans un torchon, bien serré et au frigo. T'en as fait une grosse tache chez ton champ, pistache. Du coup, là, ça faisait 17 jours. Et il a fallu beaucoup de temps quand même pour apprendre à conserver la salade. Oh, putain. Et on avance entre 8 et 10 nœuds, les bananes, ça avance bien. Il y a 17 nœuds devant, 3 quarts arrière. J'ai toute la voile, j'ai tout le générique. On range le générique et on met le phoque pour se mettre voile en ciseaux. On est à 12 minutes d'arrivée. Alors, je vais le déventer, moins 30 degrés. 20, 30. Allez, vas-y, lâche ma chaupette. Et là, je l'enroule rapidement. Nous voici arrivés à Aklins. Belle traversée, 3 quarts arrière, portant. Aklins Bay, magnifique traversée. 15h50, on descend sur la plage. Fin de semaine, ils annoncent du nord. Et il y a plein d'endroits qui ne sont pas protégés du nord, nord-ouest. Donc on va descendre au cas où. Tout à l'heure, je verrai la météo. Aussitôt arrivé, aussitôt descendu. Allez, va, il y a plein de trucs à visiter. Il y a plein de villes, tous les jours. Allez, go, go, go. Salut, toi. Tiens, bouge pas. Arrête, il met du sel partout. Sur mon appareil photo. Il m'énerve. Petite promenade au coucher de soleil. Ouais, c'est bon, toi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est toujours dans toutes les vidéos, celle-là. Il est beau. Ah oui, celui-là il est beau. Je vais t'en faire un pendentif si tu veux. C'est vrai? Ouais. On se demande ce que cette batterie fait ici. C'est pas possible. On sait pas si ça se penche ça. Des lambis partout. Nous sommes dans un cimetière de lambis. Mais pas des lambis de il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. C'est des lambis, on va demander à la scientifique. Mon ami, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu le loup? Ouais, ils ont moins, je sais pas moi. On va dire 50 ans minimum avec deux winches. Nous sommes 3 bateaux au total, 4 avec un bateau de luxe. Jacouille, avec jacouille, on ne mange pas que des nouilles. Donc, j'ai mis à chauffer de l'eau, là, et puis on va les faire bouillir et ensuite je les ferai mariner à l'ail et au persil. Aussitôt pêché, aussitôt cuite. Entre 7 et 8 nœuds, on va mettre le Jennaker parce qu'on est vent 3 carrières, on est complètement protégé par l'île d'Aklin. On va atteindre les 9-10 nœuds pour arriver très très vite. C'est super calme, toute voile dehors. Ça, c'est Aklins et Crooked Island. On est protégé par tout ça, donc la houle ne se lève pas. Regardez, ce sont juste des petites vaguelettes. Et on est 3 quarts arrière. En vent apparent, du coup, ça nous donne presque du travers. Oui, les bananes, il y a un truc. C'est un maïmaï, du choupi. Un bon maïmaï. Ah non. Jacouille, on a un aussi. Non. Deux. Viens. Ouh. Alors là, ils sont partis.
Ah, oui. Je crois qu'on arrête de pêcher, hein. On a ce qu'il faut. Hein. Attention, tu vas te prendre un coup de queue. Je vais accrocher la queue. Attention, hein. J'ai un coup de queue, il te casse le nez, hein. Oh là, ils sont énormes. Chantier qui a fait le Maï Maï. Mais il nous a tous salopés. C'est pas de guerre. Vas-y, Cosette. Que vient de nous offrir la mer. Alors on a pris deux en même temps. Coup de chance, je crois qu'il y a le mâle et la femelle qui a la bosse comme ça sur la tête, c'était le mâle. La chair de la femelle est beaucoup plus ferme que celle du mâle. Comment vous voulez mourir de faim quoi? On vous interdit de pêcher, on vous interdit de ramasser, mais tout est dans la nature. Si vous faites avec parcimonie, l'être humain était comme ça au début. Donc là on arrête de pêcher, c'est sûr. Hein. Plus que du mâle, c'est un des poissons qu'on adore. Donc là on pêche pas pendant un mois, ce sera notre réserve de nourriture vu qu'on a décidé de rien dépenser pendant presque 2-3 mois. Par 3 repas pour 2 dans chaque poche. 3, 6, 9, 12, 15, 18, plus qu'on a au frigo, il doit y avoir 22 repas. Allez. Je les ai bien mis à plat les poches, normalement ça devrait être pas mal. Ouais, mes avocats dessus. Voilà, et les avocats. Eh bien écoute, dessus. C'est perfecto, les salmonos. On enlève le foc parce que le Geneker, parce qu'on fait des pointes à 10, 11 nœuds. Je mets au portant. Je viens de faire 70 degrés. Allez, vas-y. Et Black Lion fonce. Il trace sur une mer calme. Au pré. Magnifique traversée. Ils ont fortement ramassé également ici avec un cyclone. Vous voyez, maison en dur, non plus de toit. Il va falloir être vigilant, nous allons passer ici, entre les patates, Rocky Bottom, Be Careful. Le passage est ici. Il y a un petit chenal là-bas, on va le suivre, bouée rouge. Alors il y a un balisage comme ça, de bouée rouge, quoi. J'espère que c'est un balisage parce que je le suis. Les bouées rouges ici, vous les laissez donc sur votre tribord, sur l'Amérique de l'Est. Bon, les cartes sont complètement fausses, j'espère que c'est bien les bouées qu'il faut suivre. Mais le récif n'est pas du tout au bon endroit. Là, vous voyez, si vous arrivez de nuit, vous échouez. Il nous reste toujours 5m40 sous la quille. Et on a une bonne lumière aussi, ça c'est une règle importante. Arrivez toujours avec la bonne lumière. Sur la pointe nord de Croquette Island, nous sommes arrivés. On a trouvé un mouillage protégé. Et il fait super beau, c'est magnifique. Merci. Visionnez la vidéo. Merci aux Patreon de contribuer à ce voyage. Merci à nos partenaires. Merci à tous, toutes les cochons et tous les gros cochons. Pourquoi je dis ça? Regardez avec qui on est. Regardez. Merci banana. Thank you.